Salut tout le monde, alors aujourd'hui je suis toujours super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Encore une fois c'est un tag et c'est le tag cocooning. J'ai été taguée par Ali Fantasy et j'avais vu ce tag sur la chaîne de Noélie Makeup Touch et sur la chaîne de Crystal Makeup. Donc voilà, j'ai adoré regarder ce tag et puis en plus j'ai été taguée, donc c'est parti. Question numéro 1, que regardes-tu et que lis-tu dans tes moments cocooning? Alors en général je regarde des vidéos sur YouTube, surtout quand je suis dans le bain bien plein de mousse etc, avec mes petites bougies youtubeuse etc. C'est une réelle passion et voilà, ça me détend et j'adore ça. Et ce que je ne lis pas de livres en général parce que bah, j'en ressens pas le besoin ni l'envie, mais je lis par contre des belles conneries sur le net, donc j'adore traîner sur les sites genre Minute Buzz, BuzzFeed, Gossip. J'adore lire Gossip parce que bah, ça parle de télé-réalité et tout, le truc qui t'abrutit bien comme il faut, mais ça me détend, donc voilà, j'adore lire ces sites là. Que portes-tu? Alors dans mes moments cocooning, je porte ce peignoir tout rose, tout pilou pilou, trop chou. Voilà, je l'adore, je l'ai eu chez Jennifer et vraiment je l'adore. Il est super agréable à porter et après le bain, voilà, j'adore le mettre. Enfin, sur le pyjama, hein, je m'essuie pas avec, mais voilà, je traîne tous les matins de toute façon dedans, je l'adore trop. Il tient vraiment chaud et je l'aime d'amour. Et je porte aussi mes chaussettes pantoufles, je sais pas trop comment appeler ça, de chez H&M avec une petite tête comme ça, trop mignonne, j'arrête pas de vous en parler en ce moment, mais je les adore. Vraiment, on est trop bien dedans et ça détend. Voilà. Question numéro 3. Produit favori pour prendre soin de toi. Alors, j'ai 3 produits à vous présenter. Donc, tout d'abord, j'ai l'huile pour les cheveux de chez Macadamia. Vraiment, quand je prends soin de moi en général, je suis pas très beurre corporel, etc. Mais mes cheveux. J'adore faire mon petit brushing et tout, et donc ça en général je mets avant de me laver les cheveux. C'est vrai que je crois que je vous l'avais pas dit dans la routine capillaire, mais des fois je me fais carrément des bains d'huile et voilà. Je l'adore, elle hydrate super bien, elle sent hyper bon et cette odeur ça me rappelle vraiment mes moments cocooning quoi. J'adore cette huile vraiment avant le bain. J'adore. Ensuite j'ai une deuxième huile que je mets donc après avoir lavé mes cheveux etc. Et après le brushing, c'est cette huile de contrôle de chez Matrix. Je l'avais eue dans la box qu'avait faite Amy avec MySkit. Et franchement c'est un produit dont je ne peux plus me passer. Mais vraiment dès que j'en aurai plus je vous le dis, je le rachèterai. Parce que je l'adore, elle hydrate mes cheveux parfaitement. Elle les fait briller mais ça ne donne pas un effet gras dégueulasse. Elle sent hyper bon et franchement elle me détend aussi l'odeur. Enfin, j'adore cette huile mais vraiment vraiment je l'adore. Et le troisième produit favori dans le moment cocooning, c'est quand je m'hydrate le corps. Alors c'est très très rare parce que franchement je délaisse un peu cette partie de ma routine hydratation etc. Mais quand je le fais j'utilise le lait hydratant pour les peaux très sèches. Je vous l'avais déjà présenté dans des favoris il y a un petit peu longtemps. Donc c'est le lait hydratant karité, huiles essentielles de camomille et lait de figue de chez Le Petit Marseillais. Et franchement je l'adore, je l'avais acheté pendant la semaine de la beauté, là je sais pas quoi, chez Leclerc. Et franchement l'odeur est une tuerie, mais vraiment vraiment allez sentir en magasin parce que vous repartirez pas sans, c'est sûr, j'en suis certaine. Je l'aime trop, ça hydrate bien le corps, on se sent super bien et je l'aime d'amour. Je l'aime d'amour, j'aime pas dire ça à vous. 4. Ton vernis favori du moment. Alors là j'ai pas trop compris pourquoi parler de vernis dans les moments cocooning, parce que moi mettre du vernis ça m'agace, mais c'est pas grave. Mon vernis préféré du moment, bien qu'en ce moment j'ai recommencé à ronger mes ongles, donc je vais recommencer une nouvelle routine pour les ongles. Si ça marche, je vous en parlerai. Mais bref, le vernis que j'adore en ce moment, je le trouve juste magnifique. C'est un vernis de chez Golden Rose que j'avais eu sur le site Cookies Makeup. Et c'est le numéro, il y a pas de numéro. C'est le 58, je crois, parce que c'est écrit 58, il n'y a pas d'autre nom apparemment. Et c'est un vernis vraiment sublime, 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 très automnal et très hivernal. Je saurais même pas vous décrire la couleur, donc je vais juste vous faire des petits zooms ici. Mais franchement c'est un vernis très 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 beau, parfait pour les fêtes. Moi je l'aime beaucoup beaucoup et voilà. Question numéro 5, qu'est-ce que tu manges et tu bois? Alors ce que je mange en général quand je veux faire des moments détente etc, c'est des rochers à la noix de coco. J'adore tellement ça en ce moment, j'ai une crise avec la noix de coco. Donc là c'est ceux qui viennent de chez Casino, hein, vous serez ravis de la prendre. Donc ça se présente comme ceci. C'est des petits rochers et voilà, c'est la noix de coco et c'est tellement bon. Il n'y a rien de plus bon au monde, à part peut-être les sablés. Ça j'ai découvert dans le nord, c'est ma mère qui m'a fait goûter. C'est des sablés au beurre et dedans il y a de la noix de coco quoi, une espèce de fondant à noix de coco. Oh my god, j'aime tellement ça. J'ai une crise avec la noix de coco, mais voilà, quelque chose à base de noix de coco, c'est sûr que je mange ça pendant mes moments détente. Et ce que je bois, histoire de faire le cliché de la youtubeuse, tout ça, c'est du thé. C'est même pas un cliché, j'adore vraiment le thé, j'en bois depuis que je suis toute petite. Je vous l'ai déjà présenté dans mes favoris, c'est le Lipton Chai.
Chai. On dirait un truc qui fait peur un peu. Chai. Bref, thé vert et menthe et il y a 25 petits sachets dedans, c'est en pyramide et c'est hyper bon, je vous l'ai déjà dit. J'ai même pas besoin de mettre de sucre dedans tellement il est bon. Des fois je bois des thés qui sont pas folichons sans sucre, alors que celui-ci sans sucre il est hyper bon. Des fois je rajoute un petit peu de miel et tout et oh, je l'aime trop. Quelle est ta bougie favorite? Alors j'en ai énormément. La première en ce moment c'est celle-ci, elle est d'ailleurs en train de brûler, c'est la Jewel Candle Mulled Wine. Non, j'adore, elle est magnifique, je la trouve vraiment sublime. C'est les nouvelles bougies de la collection d'hiver. Donc il y en a une comme celle-ci, il y en a une au chocolat, il y en a une au... vous savez les bonbons comme ça là, ça fait des cannes. Je sais plus comment ça s'appelle, les bonbons de Noël là. Bref, il y en a plein et franchement, réel coup de cœur encore une fois, Jewel Candle, vous savez que j'adore cette marque vraiment. En plus, il y a un petit bijou à l'intérieur, donc j'ai trop hâte de voir quel bague je vais avoir, mais je suis trop fan de Jewel Candle. Et d'ailleurs, j'ai un code promo qui s'affichera juste ici pour avoir moins 10% si vous voulez commander les bougies de Noël. Moi, je dis ça, je dis rien, je vous force pas à craquer, hein, n'est-ce pas? Et mon autre bougie préférée pour la détente, c'est Elle d'Ange de chez Yankee Candle. Je sais que quand j'ai eu les Jewel Candle, je me suis dit jamais je prendrai les Yankee Candle parce que j'aime trop Jewel Candle parce qu'elle est bijou à l'intérieur. Mais là j'ai eu l'occasion de les tester via le site Shoppeuse, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est vraiment un super site, je vous invite à y aller. Encore une fois, j'ai un code promo pour vous qui vous enlève les frais de port à partir d'un certain montant d'achat. Et franchement c'est hyper bien. Donc la gentille Maud m'a envoyé plein de bougies, plein de petits trucs pour la détente, etc. Et je vous en reparlerai sûrement plus tard dans un room tour, etc. parce qu'il y a des bougies Yankee Candle et Jewel Candle un peu partout dans ma maison. Voilà, celle-ci j'adore parce qu'elle sent vraiment le propre, elle sent la douceur, je sais pas, elle sent le bébé. Oh mon dieu, je l'aime tellement. En plus j'adore le packaging. 7, des activités extérieures. Alors ça, j'ai pas trop compris la question. Des activités extérieures, ben non, quand je me détends je me détends, je fais pas d'activités extérieures. Je ne fais rien d'autre à part que je suis dans le bain comme ça, je me détends, je regarde quelques vidéos et je dors et j'écoute de la musique, genre je tape musique zen sur YouTube et il y a des centaines de vidéos qui apparaissent avec des musiques, des trucs un peu zen, un petit peu tranquille. Et voilà, je ne fais rien d'autre à part des câlinous à mon chéri, peut-être ça c'est l'activité extérieure, des gros câlinous et des gros poutous à mon chéri, voilà. 8, as-tu déjà été voir un film seul au cinéma? Non, 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 non. Non. Je déteste être seule, il y a des fois où j'aime bien faire du shopping seule, etc. Mais en général j'aime bien que quelqu'un m'accompagne, je sais pas, je trouve ça plus fun. Et le cinéma, non, parce que j'adore débattre, vous le savez. Et du coup si je vais voir un film seul, avec qui je vais débattre? Personne. Donc non, je n'ai jamais été voir un film seul. 9, tes signes en... tes signes... 9, tes sites en ligne préférés. Alors mes sites en ligne préférés, bah j'adore Jewel Candle pour les bougies et Shoppeuse pour les bougies, etc. Mais il y a aussi de la déco, donc bref, vous irez voir. Ensuite j'adore Bis pour le maquillage. J'aime aussi traîner sur New Look, le site New Look j'adore. J'aime aussi le site Miss Coquine. Je sais qu'il y en a qui disent ah c'est cheap machin. Et alors moi je m'en fiche d'avoir mes vêtements pas chers et que ça soit pas de la marque, tant que ça me plaît. Bah c'est le plus important. Ensuite j'adore le site, et là c'est l'occasion de vous en parler, emilza.com je crois, je vous mettrai le nom juste ici. Mais en tout cas c'est là-bas que j'ai acheté la plupart de ma déco, parce que mon appartement j'ai attendu un moment avant de le décorer. Et donc ma housse de couette, ce qui me sert de tête de lit, d'ailleurs il y en a qui disent oh là là c'est fait exprès, ça fait bizarre. Bah oui c'est fait exprès parce que comme ça je peux changer de tête de lit quand j'en ai envie. Ça c'est vraiment super pratique, moi j'adore. Voilà, j'ai acheté beaucoup de choses là-bas, des tapis, genre je vais vous montrer, tapis de sol au pied du lit pour guéguetter moi, des trucs comme ça et tout, déco. C'est hyper pas cher, mais vraiment vraiment c'est pas cher du tout. Et là j'ai commandé un petit peu ma déco de Noël, mon sapin de Noël, etc. sur ce site. Donc je vous ferai sûrement une vidéo pour vous montrer un petit peu ma déco. Mais franchement c'est un site que j'adore, je vous en avais jamais parlé, ce n'est pas un de mes partenaires. C'est juste en tapant coussin pas cher sur Google que je suis tombée sur ce site. Et une tuerie, j'ai reçu mon colis hyper vite, j'étais super surprise. Et voilà, si vous cherchez des sites de déco, n'hésitez pas à aller le voir parce que moi je l'ai adoré. Donc voilà, je vous ai tout dit sur mes instants détente. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je veux savoir comment vous vous détendez, quels sont vos instants cocooning, etc. Donc n'hésitez pas s'il vous plaît à répondre aux questions dans les commentaires. Comme ça peut-être vous me ferez acheter de nouvelles bougies et tout et tout. Et puis ça me fait une excuse pour gaguette comme d'hab. Hein. Je vous dis à demain pour un prochain tag et je vous fais de très gros bisous. Prenez soin de vous. Ciao. La Orianus Box que la...